Guess Hong Kong's out. Konnichiwa minasan les amis, c'est Mémoire de Légende et bienvenue dans l'épisode numéro 15, Destination Hong Kong. Je suis super content de vous retrouver après ces vacances bien méritées pour moi de mon côté, je suis en pleine forme et avec plein de vidéos en masse qui va venir d'ici les prochaines semaines. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va directement retrouver Fukuhara-san et je vais vous expliquer un petit peu ce qui va se passer juste après. Fuku-san, you know of any cheap travel agencies? Yeah, there's one in Dabuita, but... Dabuita, Why you want to know? I'm thinking of going to Hong Kong. Hong Kong? Yeah, it appears that Lan Di went there. But what will you tell Ine-san? I'll persuade her. Not alone, you won't. I'll help you. Ine-san, do you have a minute? Yes, what is it? I know it's sudden, but I'm thinking of going on a trip. A trip? Yes. Good. You could use a vacation. Oh, yeah. Where are you thinking of going? Hong Kong! Hong Kong? Fuku-san. It seems the man who killed Hazuki-sensei is there. Ine-san, please give him the money for the trip. Idiot. What are you planning to do, Ryo-san? Oh, nothing. Nothing? This is crazy. I can't let you do this. Well, he has to get there somehow, Ine-san. I'm not listening. Ine-san. End of discussion. Huh? Thanks a lot. What? What did I do? You didn't have to tell her everything. I'm sorry. I'm going to have to do this by myself. Alors, manque de peau, ce qui est assez rigolo, c'est que Fukuhara-san est quand même le seul personnage à obtenir tous les traits de caractère, c'est-à-dire la joie, la tristesse, l'étonnement, l'énervement, enfin vous voyez ce que je veux dire, alors que chacun des personnages ont toujours leurs propres caractéristiques. Quand vous voyez Ryo-san, il a un peu les traits de Sonic avec son air un peu méchant comme ça, qui lui donne sacré effet. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va aller directement à Dabuita, mais on va passer du coup, plutôt que d'éviter de vous remontrer un peu tous les plans, on va se rendre à un point précis, comme ça, ça vous fera gagner du temps et plutôt que d'avancer les vidéos comme vous avez certainement l'habitude de faire, on va avancer à certains points, comme ça du coup les épisodes sont un peu plus raccourcis étant donné que maintenant vous connaissez bien un peu le jeu. Donc là ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va se rendre à une agence de voyage pour voir concrètement combien coûterait un billet d'avion pour aller à Hong Kong. Alors personnellement c'est vrai que c'est un peu chiant quand même de se retaper toutes les lignes droites, mais c'est vrai que là concrètement ça va vous faire gagner un peu de temps. On va retourner à Global Agency, Travel Agency pardon. Rappelez-vous, dans ce deuxième épisode on était allé dans cette agence pour trouver, pour savoir s'il y avait des Chinois qui travaillaient dans le coin, ou enfin si le directeur de l'agence connaissait des Chinois en question. Ah, please come in. Hello. A vacation? Yes, to Hong Kong. Hong Kong. Well then, have a seat. Are you a student? Yes. With a student discount, about 220,000 yen. Wow. Is there a cheaper one? A one-way fare? I'm afraid we don't sell one-way tickets. The ticket alone's about 198,000. Really? I'll come back. Here, why don't you take this pamphlet with you? Think about it, and if you're interested, come back. Okay, thanks. Please come again. Alors maintenant qu'on est au courant un petit peu du prix du billet d'avion dans cette agence, il y en a une deuxième qu'on va faire, rappelez-vous, c'est Asia Travel Company.
qui, rappelez-vous, on s'était rendu à cette agence dans la fameuse démo What's Shenmue pour retrouver le fameux Hayao Kadzukawa qui était menacé par des gens qui souhaitaient récupérer le jeu Shenmue, et dans tous les cas, si on ne le sauvait pas, on était obligé de le sauver, enfin, on était obligé de le sauver concrètement. Be right there. Excuse me. Wait a minute. I want to finish this. Excuse me. Didn't I just tell you to wait a minute? I want to go to Hong Kong. The pamphlets are over there. Find one, decide. ¥170,000. Any others? Jeez, what a pain in the... I'm looking for a cheap fare. Here it is. This is the cheapest we got. ¥158,000? Is there anything cheaper? No, that's it. Okay, thanks. Hold it, bud. I went and got it out. So at least take it with you. I should go home and think it over. The Hong Kong fare. Pretty expensive, eh? Just a moment. Ryo-san. What's that? This here is my savings. I want you to have it. Book-san. Well, I really want to help you out. It's not much, but... Don't hesitate. Smash it open. Are you sure? Yeah. There should be a lot, but... well, one, two, three... 39,634 yen. Ah, that's still not enough. Yeah, right. Ah, I got an idea. Ida Florist. Ida Florist? Nozomi's place? Yeah, she travels overseas a lot. Maybe she'll have a better idea. Good idea. I'll go ask her. Alors bah du coup, malheureusement, on va devoir retourner une fois de plus à Dobuita et on va savoir si avec l'argent qu'on a, on va pouvoir aller à Hong Kong. Nozomi. Ryo. What is it? When you go to Canada, do you always fly? Yeah, usually. Why do you want to know? I'm looking for a cheap way to travel overseas. You're going overseas? Yeah. You know I can only afford about 70,000 yen. 70,000? To where? I'm trying to go to Hong Kong. For a trip to Hong Kong? I doubt that's possible. But I only need to get there. Oh. Well then, how about going by boat? By boat? Whenever Grandma goes to Canada with us, we gotta travel by boat. Really? Why? Yeah, 'cause she hates airplanes. Oh, but that's a secret, okay? Yeah. You might be able to find a boat ticket for a fairly cheap price. Yeah, maybe. Thanks. Alors du coup, on va plutôt utiliser le bateau plutôt que de prendre l'avion. Alors on va retourner à Asia Travel Company, étant donné que c'est la première agence qui nous tombe sur les mains. Et on va savoir concrètement ce que ça va donner. Be right there. Excuse me. Excuse me. What is it? Do you sell boat tickets to Hong Kong here? Boat tickets? Yeah, we do. How much are they? Boat... here it is. I'll take it. The sooner the better. You gotta pay up before I can arrange it. All right.
Thank you. Excuse me. What? I'll take care of it. The ticket. Come back in 3 or 4 hours. All right. I'll be back in 3 or 4 hours then. Ça me paraît un peu chelou quand même le fait qu'on ait acheté un ticket et qu'on n'en ait pas, alors que normalement on achète, on a direct, hein, ça me surprend un peu. Et donc du coup c'est ici qu'on va se quitter, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Elle a été un peu spéciale du coup, puisqu'étant donné que maintenant vous connaissez un peu les décors de Dobuita, de Shenmue du coup, j'ai préféré la raccourcir histoire que vous embêtez pas à avancer à certaines séquences du coup et qu'on a directement droit au but. Donc j'espère que ce nouveau format vous aura un peu plu. N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, je serai ravi d'y répondre, partagez-la, laissez un j'aime, ça ne coûte absolument rien. On se retrouvera pour l'épisode numéro 16, on va aller récupérer ce ticket, j'ai pas encore de titre personnellement, mais plutôt ça sera du coup 17h à la recherche du ticket. D'ici là, portez-vous bien et à une prochaine. Sayonara Tomodachi.